celle qui avait précédé France-Ukraine. Comment était-il dans le vestiaire ? Formé, entre guillemets, en Espagne, est-ce que ça lui donne des caractéristiques différentes que les joueurs qui... On va préparer le match comme s'il était là. Bon, a priori, il a un souci au mollet. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Oui, c'est un homme important de leur équipe. Ils ont toujours eu des attaquants de valeur, que ce soit là, Cavani, Suarez, Forlan avant et d'autres. Voilà, ça sera évidemment pas la même chose s'il n'est pas là. Mais pour l'instant, on considère qu'il joue et on va se préparer comme ça. C'est une équipe qui est très compacte. Une équipe un peu comme la nôtre, où il y a des trentenaires. Il y en a quatre, je crois, le gardien de but, Muslera, il y a Godin derrière, il y a Cavani et Suarez, donc ils sont à plus de 100 sélections. Et puis également des jeunes joueurs, comme Torreira, comme Laxalt, qui jouent beaucoup en Italie. Donc il y a un mélange un petit peu de tout ça. Mais la caractéristique, c'est gros volume de jeu, grosse intensité, les lignes très rapprochées les unes des autres, grosse solidarité entre eux.